Salut à tous, bonsoir! Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'avais un peu peur de cette session. Hein. Mais bon, on est là pour jouer! On est là pour jouer! Voilà, à un moment, dos au mur, on va aller in-game. Normalement, le son c'est bon. On est tour 30. J'ai 50 tours, ok? C'est beaucoup 50 tours. C'est énorme! C'est énorme! 50 tours. Le problème, c'est que c'est compliqué, quoi. J'avais fait la paix avec les gobelins. Et Ned Waste m'avait déclaré la guerre, une très mauvaise surprise, en même temps que les gobelins. Donc on avait fait la paix, j'avais repris ma capitale. Même s'il y a encore des armées gobelins à proximité. L'économie, on n'est pas si mal que ça. Dunherd, le Rohan se casse dessus. On va recompléter les pertes. Le problème, c'est là-haut. J'ai très très peur de cette attaque. Vu l'état de mon armée, et j'ai pas de garnison et pas de général. C'est chaud. C'est très chaud. Je vais essayer de refaire une alliance avec les gobelins. Et on va turtle, continuer à développer l'économie, on va essayer, et puis on va faire au mieux. Le son, j'ai oublié de régler le son, bon c'est pas grave, hop. Ok, il m'attaque, voilà, parfait, allez viens, viens gamin. Le Rome fait pas peur. Oh regarde, les stats du Rouen, pardon. Oh là 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 là, les stats du Rouen m'inquiètent par contre. Les stats du Rouen m'inquiètent un peu. Oh là là, ici, cette bataille va être importante. Hein. Oh ok, ok, il y a beaucoup de perses armures, ça tombe bien, j'ai pas d'armure. Du tireur, aucun général. Ça c'est pas une mauvaise nouvelle qu'il n'y ait pas de général, mais j'en ai pas non plus. On va voir à quoi ressemble la carte. Mais j'ai un petit peu peur. Quelle surprise le gobo que je trahis, je m'y attendais tellement pas. Je m'y attendais tellement pas à voir le gobelin. Mais en fait, je suis trop habitué à jouer dans le camp du bien. Et les factions du bien ne trahissent jamais. Mais j'ai l'impression que les factions du mal peuvent te trahir même en allié. C'est... Oh, y a pas de tour! C'est une... Non, mais c'est une carte de merde! Oh, c'est une carte de merde! Oh là 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 là! Quel enfer ça va être! Oh, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Là, j'ai Maracai qui est là. On va se mettre comme ça. Là, j'aurai mes tireurs. Oh, je sais pas comment je vais gagner ça. Je ne sais pas comment je vais gagner ça. Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Essayez de... Voilà. Je sais pas comment je vais gagner ça. Ouais, c'est parti. Après, c'est une armée dans l'ensemble. Pas exceptionnel. Il a quand même beaucoup de tireurs. Il n'y a aucune unité lourde. C'est une armée particulièrement bien. Ton GG chez les bandits. Écoute, Captain Obvious. Oh, t'es un normand, excuse-moi, faut que je t'explique, t'es pas très fut-fut. Pourquoi tu crois que mon général n'est pas en première ligne? Hein? Pourquoi tu crois que mon général, Captain Obvious, n'est pas en première ligne? Incroyable, ça. Mais non, mais il est normand, il faut que je lui explique. Ils sont pas très fut-fut, hein. On les connaît. Hein. C'est pas les couteaux les plus affûtés du tiroir, vous voyez. Bon, on va essayer de faire quelques pertes. Vous voulez pas tirer? Oh putain, ils veulent pas tirer. Attendez, on va essayer de mieux se mettre. Allez, mais je vous jure, des fois, certaines cartes sont particulièrement frustrantes. Ça va être dur. Ça va être dur. Mais il faut que je joue sur son moral un peu merdique. On a déjà fait quelques pertes. Le bélier est là. Les elders vont être gênants. Voilà, les cailloux qui partent, magnifique. Il faut que je les grignote à coups de cailloux, voilà. Le Mont-Saint-Michel, mais c'est en Bretagne, ça. Non,
Non mais qu'est-ce que vous avez de plus glorieux en Normandie? Le Touquet? Le Touquet avec Emmanuel Macron? C'est ça? Avec Jean-Michel? C'est ça, franchement, ce qu'il y a de plus glorieux chez vous, c'est Jean-Michel. Le Touquet. À part ça, bon... voilà quoi. Galpin? Vous avez Galpin aussi. Hein, oulala, 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 oulala. Où je prends cher? Où je prends cher? Ça va arriver, hein. 87%. The enemy's ram has breached the gates. Est-ce que là... Normalement, je peux lui tirer dessus. Il y a tout un racaille qui se jette avec... Quelques pertes. Allez, quelques petites salves. Allez, bloquez-les. Tac, 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 ça tombe. Oh là là, il y a du monde qui arrive. Oh là là, il y a du monde qui arrive. Ok. Il me semble que son général était dans la cavalerie. Le chat, rappelez-vous. Son général était dans la cave, hein. Si je parviens à battre le général assez tôt dans la bataille, il y a un coup à jouer. Il a déjà pris pas mal de pertes, mais moi aussi. Est-ce que je parviens à avoir un angle de tir là? Ouais, 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 ça tire, ça tire, ça tire. Oh oui, ça tire très très bien. Ça tire très très bien. Mais je me fais un peu casser les fesses aussi. Voilà, magnifique. Tant que ma phalange tient, on est bon. Alors, ils ont les débiles qui chantent là, ils ont Popstar. Il faut que j'arrive à tuer le général, ils sont plus de 46. Putain! Voilà comment on fait! C'est bon ça! Parfait, là, en soi, j'ai une bonne position de tir. Voilà, parfait. Je prends aussi des pertes. Là, je vais me mettre en formation dispersée. Il y a un nouveau trailer, arrêtez de me faire chier. J'ai même pas regardé le précédent, là. Les anneaux de pouvoir, je veux pas en entendre parler. Je vais déjà devoir me taper au moins chaque épisode 2 ou 3 fois pour pouvoir faire plein de screenshots et tout. Pour ma review. Donc ouais, oh là là, j'ai vu du jaune. J'ai vu du jaune. Ça commence à faire un peu la gueule. Allez, on continue de tirer. Voilà. Magnifique. Par contre, je me fais sacrément laver au niveau de tir. Oh là 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 là. Il y a des unités dans le jaune. On va commencer à contre-attaquer. Oh. Il faut que je continue à faire des... Ma phalange est intacte quasiment. Et elle DPS très très bien. Je crois que mon général prend des pertes. Oh, j'ai peut-être fait le point. Oh, les galettes ça. Non, les frondeurs sont pas personnes. Malheureusement. Allez, allez, allez. Ça va, ça va, ça va. Voilà. Là, mes petits cailloux font le boulot. Oh, c'est dans le jaune. Je vais essayer d'attaquer. Hein. Je vais essayer d'attaquer. Allez. On avance la ligne. J'ai amené mon général. On va continuer à faire un peu de DPS. Il y a des unités dans le jaune. Ça peut tomber rapidement. Et il suffit qu'il y en ait une qui lâche. Une. J'ai malheureusement plus de projectiles.
Ah, tout est dans le jaune, allez! Mes phalangistes sont tellement forts. Ça fait plaisir. C'est tellement OP d'en mettre de très très OP. Tant qu'il y a en face du T1. Là, c'est OP parce qu'en face, c'est de la merde. Ils sont nombreux, mais c'est vraiment de la merde. Il y aurait des unités un peu plus lourdes. Mais Long Spear, il se ferait croquer. Allez, on va aller au cac. On amène tout. Oh, c'est du jaune, c'est du jaune. Allez, allez, faut que ça lâche, là. On est en train de la gagner, cette bataille. C'est serré, quand même. Du rouge. Oh là 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 là, 46, c'est serré, hein. Si ça pouvait lâcher, mais ils sont nombreux. Bien plus nombreux que moi. Ils étaient, je crois, trois fois plus nombreux que moi. Oh, mes phalanges. Un boulot d'enfer. Eh, c'est une belle bataille, hein. Sur la ligne, là. Oh là 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 là. Super, hein. Eh, ça vaut le coup d'être ton vassal. Tu me laisses tomber à la première occasion. Oh, espèce de petite pédale, va. Tu m'aides absolument pas et c'est ma faute. Ça fait 64. Oh là là, on approche du sub goal. Bien trop vite à mon goût. Je m'étais dit jusqu'au 28 pour faire le sub goal. Vous l'avez déjà explosé, bande d'animaux. Quasiment. Oh là 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 là, 43 à 52. Allez, mais lâchez! C'est quoi ce moral de dingue? Oh, j'ai cru que j'avais perdu mon général. Ça fuit, ça y est! Allez! Ça dégage! En plus, un Strachan. Je suis pas sûr que Strachan il mérite des subs, hein. Il faut à tout prix une garnison là-haut. Il faut à tout prix une garnison là-haut. Oh, il y a du monde dehors. J'avais pas vu qu'il y avait beaucoup de monde dehors. Ok, je vais retirer mon général. On va éviter qu'il meure bêtement. Les tireurs aussi. Eux, ils ont survécu, je sais pas comment. Voilà, allez, on pousse. Et on fait du prisonnier, hein. Pas beaucoup, malheureusement. J'aimerais en faire plus, hein. Oh là 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 là, 48 à 62, c'est... Il y a du monde dehors, il y a beaucoup de monde dehors. Ah, c'est pas fini. C'est pas fini. Oh, ils vont être compliqués à tuer. Oh là 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 là. Ok, il faut que je me mette en formation dispersée, là. Quel enfer. Ok, je commence à sortir. Allez, on va aller chercher au corps à corps. C'est une bataille vraiment de clodo. C'est une bataille de léger. Ça fait un peu combat préhistorique, ça va. Ah, c'est vrai que c'est pas le Gondor, je sais. Tu préfères mes albâtres, mes effets du Gondor au corps d'albâtre avec... le corps en sueur sous leurs armures lourdes de plate, c'est ça que tu préfères, hein? Elle touque. Ah, on ne juge pas, hein? Boromir, là, après la bataille, transpirant, dégoulinant de sueur, bien sûr. Je ne suis pas surpris. Ah, chacun ses goûts, hein? Ou tu préfères peut-être des détents, hein? Quand ils mangent les tomates, là, qui sont mis partout, que ça tombe, là, sur ses pectoraux gonflés, c'est ça? Ah là là là. Bon, ils se battent bien quand même, hein. Ils se battent bien. Oh là là, les renforts, il revient. Oh là là, mais vous savez qu'il y a un monde où je vais la perdre, cette bataille, hein. 64 à 70, ça. J'aurais peut-être pas dû avancer, hein. J'aurais dû rester en retrait, je pensais que j'avais gagné, mais pas du tout. Ça fuit. Oh, c'est une blague. Quel enfer. Mais quel enfer! J'aurais dû rester en défense! J'ai fait de la merde. Je vais la perdre, je pense.
Je pensais que j'avais gagné la bataille quand ils ont tous fui, mais pas du tout. Ça attendait dehors. Mais c'est quoi ça? Allez! Il y a encore tout ça! Oh là 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 là! Oh là là, 77 à 76, il est repassé devant! Oh le piège, je me suis fait avoir. Je me suis fait bait par l'IA. Ma phalange est en train de fondre. Comment il a un tel moral alors qu'il a perdu son général? Regardez ça, il est dans le vert, il est content! Soin de soin, faire bien. Ah mais c'est ma phalange qui sont mal placées, c'est con là. 42 000 tiennent jusqu'à la mort, voilà, ils commencent tout juste à être shaken. C'est quoi cette mauvaise blague? Quel enfer cette bataille! 81 81. Oh il fait du friendly fire, regardez il fait du... Ah non c'est mes mecs, il fait pas du tout du friendly fire. Oh, il est en train de... Il y a tout ça encore. Mais lâche! Quelle bataille de l'enfer. Hein. J'ai cru que j'étais bien, mais je l'étais pas en fait. Hein. ...82 à 83, on est passé devant. Ouais, c'est du clodo, hein. Là, c'est mes bandits, hein. C'est du mercenaire. Hein. J'ai mes mecs qui fuient. Un coup de soin de soin. Je vais perdre cette bataille. Je vais littéralement perdre cette bataille. Vraiment. Il est dans le jaune entièrement. Mais moi, je suis moi aussi. ...84 à 85. Eh bien oui, ils ont pas d'attaque, c'est du clodo qui se bat contre du clodo. Moi, je voulais pas commencer par ça. Hein. Je crois qu'on va... C'est bon, ça va le faire. 85 à 86. Allez, lâche! Ça fuit pas. Allez. Ça fuit. J'ai gagné. Je me suis fait avoir. Il y a encore une unité pleine. Ils sont 160. ...86 à 89. On va se remettre en position. Comme ça. On va essayer de les accueillir. Et on va essayer de les encercler, d'accord? On va tenter un encerclement. Dans la merde. Son unité est buggée. Non. Elle va venir. Normalement. C'est juste que... Attends. Elle arrive. Elle est pas buggée. Il y a un monde où si je l'encercle suffisamment bien... Ça pute la histoire. C'est compliqué, ouais. C'est vrai qu'ils étaient très très nombreux. Je lisais le chat, je discutais et je me suis laissé embarquer dans une contre-attaque en espérant faire. En espérant. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Ok, il force. Allez. Bon, allez, on va bien les laisser rentrer. Voilà. Allez, foncez.
Mais lancez les bandes de cons, mettez-vous dans le bon sens, bande de teubés. Ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, 87 à 89. Hein. Ça tombe chez moi aussi. Hein. Oh mais mes putains de lanciers! Oh je vous déteste hein! Je vous déteste hein! Voilà! Oh là là, ça tombe pas, ça tombe pas assez, ça tombe pas assez vite! Hein. Il est en train de m'ouvrir! 90 à 89! Hein. Je vais perdre. Les imités. Ça tombe pas assez vite. Quoique. Non, j'ai que 17. Ah ouais, là, il perce. J'ai perdu. Je vais perdre cette bataille. J'ai perdu. J'ai perdu. T'as 4 subs au lieu de plein de tes pubs. J'ai perdu. Rien à foutre de tes pubs. De merde! J'ai perdu. Comment j'ai pu perdre cette bataille? Oh, j'aurais été patient, j'aurais attendu dehors. Ça se serait bien passé. Fais chier! Quel enfer! Refais-là un joker. Ah non, pas de joker, mec. Tu perds, hein. Tu perds, hein. Heureusement, c'est le jeu, hein. On va essayer de faire avec, hein. On va faire avec et on va relever de la troupe, hein. Et on va y retourner, hein. Ouais, on est dans la merde. Hein. Bon, après, c'est pas grave. Tour 80, j'irai voir Saruman, là. Et écoute, Saru, je suis un peu en retard sur les délais. Voilà, hein. Fais pas ta pute. Putain, comment j'ai pu perdre cette bataille? J'avais été dans le sac, j'avais fait le plus dur. Il se passe quoi si tu arrives pas à avoir les villes? C'est une bonne question, j'en sais strictement rien. J'en sais strictement rien ce qui se passe. J'ai jamais fait le run. Bon, nous sommes dans la merde. Oh, et je perds de l'argent en plus. Et je peux même pas repartir parce que... Est-ce que je prends le risque de laisser une troupe en arrière? Et là, je prends l'armée. Et tour d'après, on... Je tente d'aller reprendre Eoroth, mais j'ai peur de voir le... J'ai peur de voir le gobelin me rebackstab. Unfortunately, please continue with your serious. Your time was closed by... Quel enfer. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué, ma situation. Particulièrement merdique. Je peux même pas... Il faut d'abord que je fasse ça. Là, je suis sous siège. Je suis revenu à mon point de départ, hein. Je suis revenu à mon point de départ à faire des garnisons de merde, hein. Oh, et le son, oh là là, ça suffit, hein. Oh, la fessée. Anne Monet, non, en fait. Non, mais moi, je joue pas comme ça, les mecs. J'ai jamais triché dans le jeu, hein. Je triche pas, hein. Je me suis jamais rajouté de l'argent. J'ai jamais fait cette commande. C'est pas bien de faire ça. Je crois que j'ai perdu. We stand vigil as the enemy surrounds us. Restart. On va devoir faire peut-être un restart, hein. On va peut-être devoir faire un restart, hein. Parce que... C'est un peu dans la merde, là. Yes, my lord. Il accepte de cesser le feu.
Mais le problème, c'est que je peux pas sortir. Systématiquement, ils me tombent dessus. Dès que j'ai pas assez de troupes. Ils m'attaquent. Bon, là, j'ai au moins réussi à mettre la garnison en place. Quel enfer. T'avais pas déjà fait les tunnels. J'ai jamais fait les tunnels, Dex. Ça va être simple maintenant. C'est vrai. Bon, bah là. On va faire le gros dos, hein. Ah! Bataille contre le Rohan. Oh, et le Rohan qui commence à m'attaquer avec du T2, hein. Putain! Là, c'est plus l'armée de tout. C'est pas l'armée qu'on avait avant, hein. C'est un peu plus balèze, là. On est dans la merde, hein. Nous sommes dans la merde. Mais jamais j'aurais pensé voir les gobelins me... Jamais j'aurais pensé voir les gobelins me backstab, en fait. Vraiment, et je découvre, hein. C'est pour ça que je fais des runs d'entraînement, normalement. Voilà, hein. Dans le cul, lui, hein. On va devoir alléger la défense ici. Putain! Oh, le jeu qui me saoule en plus. Ok. Écoutez, il y a encore 50 tours, ok? C'est long. C'est long. Hein? Attendez. C'est pas fini. Et Saruman, au pire. Si je me fais casser la gueule, Saruman. Je peux aussi lui dire d'aller se faire mettre, hein? Bah ouais! Il croit que je suis sa chienne ou quoi? Il m'amène aucun support, rien, c'est à moi de tout faire! Ça suffit aussi! Allez, faction du mal, les gobelins. J'apprends aussi de mes erreurs. Je lâche pas aussi facilement, hein. Attention. Bon. Là, c'est de la bonne troupe qui arrive, vraiment. C'est de la bonne troupe qui arrive. Il y a du T2 en armure. Moi, je suis toujours avec mes giga clodo. Light. Allez, on fait du DPS là-dedans. Magnifique. La minute, je peux utiliser de main. Je sais pas. Je sais pas si j'en fais une ou pas. Ne surestime jamais ma flemme. On me fait chier pour que je fasse de l'Ukraine. Mais j'ai la flemme de faire de l'Ukraine. L'Ukraine, je ferai la semaine prochaine. Quand ça se sera un peu décanté dans le secteur de course. Quoi. Oh, ça tombe bien là. L'infanterie moyenne là, elle a pris cher. Oh la pluie de caillasses qui prennent. Paysan. Burning Archer. Elmingas. Ah, il va taper. Tape dans les Axeman. Voilà. Mine de rien, mes tireurs là bossent bien. 13% de perte sur l'approche. Donc de la bonne troupe. Son infanterie moyenne a fondu. Ils sont plus que 82. Je continue de les arroser. J'ai presque trop de troupes ici, hein. Je vais alléger la défense. Tu n'y auras plus accès, peut-être. On verra bien. Ouais, mais je fais ce que je veux, Meganox. T'as pas besoin de me rappeler ce que j'ai dit, non? Cross their eyes. The enemy's round.
J'aime bien quand le chat me dit, mais Pépé, tu avais dit ça. Bah ouais, je sais, je l'ai dit, c'est moi, je m'en rappelle. Je rappelle aux autres, ah, je rappelle aux autres. C'est pour ça que tu mets, tu avais dit. Et pas, il avait dit. On s'en fout. Bon, et on les aura bien sabattés là, en tout cas. On les aura bien sabattés. Oula, où tu vas, toi, avec tes... Voilà, voilà, là. Hé, hey, on va repousser ça. Sa petite cave de clodo, là. On va les submerger. Je pense que je vais diviser par deux la défense. Je vais prendre mon chef de faction. Et je vais monter vers le nord. Tes vrais archers sont en T2. Ah, je sais pas. Hein. Je sais pas. Hein. Allez, ça tombe. Ils ont déjà pris 33% de pertes. Hein. Mine de rien, on les écrase. Hein. Allez, on va avancer, on va pousser et on va attaquer. Hein. On va attaquer avec les phalanges, c'est parti. Hein. Voilà, allez, on avance. Si on prend une ville pour libérer cette ville, on a eu le capitaine. Mais ça va pas changer grand chose. Le problème, c'est que Godville, j'avais commencé déjà à bien la développer. Je voulais bien récupérer les infrastructures de la ville. Ça fuit? Oh, ça fuit déjà! Ouais, le rond, c'est de la merde. Tout dans le jaune. C'est pas fini, c'est pas fini. On est de tour 34 ou 35. Ça arrive, un désastre. Ça arrive. Au final, je ferai... S'il faut que je fasse la paix à chaque fois avec le gobelin à chaque tour, je ferai la paix avec le gobelin à chaque tour. C'est aussi une option. Allez, ça lâche! Ça lâche! Allez, on pousse avec la racaille, les Helmingas derrière, voilà, regardez les prisonniers. On va essayer de faire des prisonniers pour faire de l'argent, d'accord? Hein? On va essayer de faire des prisonniers pour l'argent. Peut-être que le roi va payer. Théoden, il va peut-être libérer les cordons de sa bourse. Ses bourses, comme vous voulez, hein. J'ai vu que certains aimaient bien les hommes, les éphèbes du Gondor. Allez, allez, on fait du prisonnier. Voilà, on sort avec tout. Les Helmingas. Voilà. 224 prisonniers, c'est pas mal. Et ça monte, hein. Jean Berlin avec mon coup de papier, c'est tellement ça. La paix pour notre temps. C'est tellement ça, putain. Pépé qui revient de Goblinton avec un vieux mouchoir dégueulasse. Il a signé. Oh putain. Et on fait des prisonniers. On continue de faire des prisonniers. Allez, mangez-moi tout ça. Perte minimum, 8% de perte, c'est plus qu'acceptable. Donc beaucoup de garnison.
Je vais revoir les stats un peu de mon général. Ouais, trop. Ok, d'accord. Ouais. Vous savez quoi, je vais envoyer mon chef de faction dans le nord. Je vais essayer d'aller reprendre le terrain que j'ai perdu. Avec une petite armée. Bon allez, vous les finissez là. Oh, il leur demande. Oh, et on fait encore plus de prisonniers, fantastique. Allez, 265, 269, 270. Non. Chopez-les. Ah, il se bat. Pas mal. Bon. Il y a peut-être de l'argent à faire. Il y a peut-être un peu d'argent à faire. Il y a peut-être un peu d'argent à faire. Des sous-sous. ...220, 270. Peut-être qu'on peut se faire 400 ou 500 thunes. C'est... Je prends tout. Ça s'est mieux passé que la précédente, Megadox, tu vois. 1450 ! Théoden, paye ! Il paye ! Oh, par contre, regardez ce qui arrive. Oh. Bon, bah... Prends les mêmes et on recommence, hein. Pour la ville, mais... Comment tu veux que je sorte de la ville, Nathan? Comment je sors de la ville? Le roi, on me laisse pas sortir! Ils font une tournante devant mes portes! Et tu joues quoi? Je joue les Dune Landings, c'est un mode sur le Seigneur des Anneaux. Oh, les... Non, ne me réattaque pas, la Moria. On vient de faire la paix. Il va me réattaquer! Seigneur des Anneaux, ouais. Le gobelin me laisse pas sortir. Je suis littéralement sous siège permanent. Ah, je passe une bonne soirée. Ok. Parce que... Saruman va pas être content du tout, hein. Y'a pas de ceasefire. Si seulement il y avait un ceasefire. Ok, il a levé le siège. Je l'ai forcé à lever le siège. On va pouvoir recompléter les pertes. Là, quand je pourrais faire des troupes, on sera pas mal, d'accord. J'ai déjà une garnison ici, hein. Je peux me défendre. J'ai déjà une garnison, mais attendez que je fasse 2-3 troupes. Ah. On arrive à faire de l'argent, d'accord. Ne me demandez pas comment. Ici, il y a plein de cavalerie qui va arriver. Il y a un général. Ah, les généraux vont être difficiles à gérer, les bodyguards du Rouen. Mais j'ai mon chef de faction qui sera parfait pour les croquer. Et écoutez, on est dans une position extrêmement délicate. Je vous le cache pas. Je vous le cache pas. Mais je suis toujours vivant, d'accord. Je suis toujours vivant. Les gobelins se font leur vie. My lord. Without question. Putain, si seulement je pouvais détacher une petite armée pour aller me débarrasser de ça là-haut. Ok. Au moins, on a des stocks d'argent. Hein. On a des stocks de thunes. Oh, le son. Je vais me faire copyright claim. Ah bah direct! Mais j'ai pas eu... Oh la vache. Il y a du monde, hein. Il y a du monde, mais il y a beaucoup de cavaliers. Cavaliers légers. Si j'arrive à tuer Anfried assez tôt dans la bataille... Bon, ça va être un peu plus difficile que tout à l'heure. Mais pas si peut-être difficile que ça. Ah, je me fais bien fourrer, ouais, maître Dindon, ouais. C'est compliqué ce soir, hein.
Mais ça fait partie du de l'expérience de Divine and Conquer. Voilà. Peux-tu mettre des piques? Malheureusement, non. Il peut pas mettre des piques parce qu'il a son sort. Malheureusement, je peux pas mettre de piques. Ça aurait été tellement fort si je pouvais mettre des piques. Bon, on va faire ma défense habituelle. Il va y avoir beaucoup de cavalerie. Et je vais même les laisser monter un petit peu. Je vais pas trop m'avancer tout de suite. Je vais les laisser prendre la hauteur pour qu'avec mon général, je puisse avoir un tir direct peut-être sur eux. Normalement, ça peut tirer. Comme ça. Voilà. Là, j'aurai la racaille pour boucher les trous. Et là, en deuxième ligne, j'aurai la réserve. Comme ça, voilà. Et là, hop, la réserve. Voilà la formation. Et j'ai quand même pas mal de tireurs qui vont pouvoir amener du DPS. Allez, mets-toi bien. Voilà. Voici la formation de combat. C'est une énorme armée du Rohan. Je peux me prendre une grosse branlée. Ou alors il y a peut-être... Tu as une meilleure position derrière tes phalanges. Ah ouais. Ah, bien vu. Très bien vu. J'avais pas vu, en effet. Merci. Merci, Smoogie. Absolument. C'est une bien meilleure position. Je l'avais oublié. Merci. Voyez ? Voilà un chat ! Quelqu'un dans le chat qui est utile ! Ça change de certains ! Qui sont là que pour se foutre de ma gueule ! Ou se moquer de mes déboires ! Ok, 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 ok. Là, dans le tas, il y a une unité qui va venir défendre. Gaulois. Ça a un petit côté celte, ouais. Voilà. Parfait. Comme ça. Le but, c'est non seulement je dois faire du kill, des prisonniers, mais pas prendre trop de pertes, vous voyez? Là, on va se mettre sur la petite ligne de crête. Oh, regardez l'armée, c'est quand même impressionnant. Hein. Vous vous rendez compte qu'on est que tour 34? Les armées que vous prenez... On vient pour le spectacle, Pépé, ça passe forcément par le plaisir de voir souffrir, espèce de petite salope, toi. Maître d'un don, j'aurais dû m'en douter. Arrête un peu de son, hein. Allez, ça va de moi, ça. Voilà. Après, c'est très, très mauvais. Hein. On va pas se le cacher. C'est très, très mauvais, tout ça. Il y a pas de troupes lourdes, à part son général. Les généraux vont être gênants. Mais à part ça, c'est que... C'est mauvais. C'est du paysan, c'est vraiment un... Vraiment de la merde. Mais ça veut pas dire que je peux pas me faire submerger parce que moi aussi j'ai de la merde, vous voyez. Écoutez, on est en train de faire du kill. Hein. Ces unités sans armure là, on fait des pertes là-dedans. C'est du régal. Là, on va bien taper là-dedans, voilà, les paysans et tout. S'il y a plus que la cavalerie, c'est parfait. Les cavaliers, j'ai que de l'anticave là-dedans, vous voyez? C'est full anticave, là. Tout ce qu'on voit, c'est que de l'anticave. Ça nous met pas mal. On lui a fait 12% de perte avec les frondeurs. Et on continue à faire du DPS. C'est bien. Il y a des events avec les Dunglandings, vous voyez, il y a toute une chaîne d'events que je suis en train de louper totalement. Onyx sa mère, figure-toi. Ça se passe pas bien. Ça, c'est compliqué. Tu vois, il y a le point, l'anus,
et ça rentre sans toucher les bords, tu vois. Même la bague ne touche pas les bords. Ça se passe pas bien. Mais je suis toujours en vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. N'avait de la prendre. Mais non, c'est le jeu. C'est le jeu. On peut pas réussir tout le temps tous les runs de façon parfaite. On peut pas gagner toutes les batailles. Sinon, ça serait chiant. Ça serait chiant. Ça fait du bien de se faire casser aussi un peu la gueule. Ça fait partie du jeu. Ok, ça arrive. Que la fête commence. Je vais dire à mon champion de tirer sur le général, de focus le général avec les arbalètes et c'est parti. Est-ce que ça va tenir mon goulet d'étranglement? Oh là là, y a du monde. On va venir en support. Là, je vais amener de la réserve. J'ai peur que ça craque. La phalange a l'air de tenir. Là, on vient supporter. Oh là là, le monde! 28% de perte! Toute la cave, on va la DPS. Là, on vient boucher les trous. Est-ce que mon général tire? Regardez, mon parfait, le général tire. Voilà, magnifique. Magnifique! C'est ça qu'on veut voir. 35% de perte. Allez, on les croque. Il y a déjà des unités dans le jaune. Au niveau des pertes, tu as 3%. Ça se passe très très bien. Je vais pas attaquer tout de suite. On va continuer à DPS. Bon, je sais pas où est le général. Oh, quel bordel. Il est dans le tas. Il est dans le tas, le général. Il y a tellement de cavalerie, j'ai tellement d'anticaves que c'est un bon ratio pour moi. Et on va bien manger ce soir, hein, avec tous les cadavres de chevaux, là. La viande de cheval en Islande, ils en ont beaucoup. Je peux vous dire, c'est délicieux, la viande de cheval. C'est une odeur de bonne rançon. Pas sûr. Il faut que j'ai un effondrement massif de son moral et que j'arrive à capturer. Et pour le moment, tant que son général est en vie, ça va tenir. Oh, regardez le bordel que c'est. Bon, hey, on va commencer à pousser. On va essayer d'aller choper les caves. Voilà. Au niveau de mes phalanges, je prends pas trop de dégâts. Mais je vais pas attaquer tout de suite. Je vais venir boucher le trou ici. Ouais, j'ai... Pour l'instant, le Rouen, on le tient bien. 7% de perte, c'est acceptable. Allez, on va passer à l'attaque. Allez, on va pousser. Là, je vois les carreaux là qui partent de mon général. Oh, ils sont là, ils sont plus que 17, hein, regarde. Ils sont 17 encore, ils étaient 26 au début. Ça va finir par tomber tout ça. On l'a eu! On l'a eu! Pas de passe! Pas de QR code! C'est dans le rouge. J'ai vu une unité qui fuit. Ça fuit! Allez! On pousse! Allez, les prisonniers, ça monte, les prisonniers. Allez, en avant! Regardez bien, les prisonniers. Pas mal. Je suis coincé, aidez-moi.
Là, c'est con que j'ai pas une cave. Là, c'est con que j'ai pas une petite cave. Ok, j'arriverai pas à les rattraper, malheureusement. Pas mal. 440, c'est pas mal du tout. Je fais juste pour le nom du jeu. C'est Medieval 2 Total War. Et le mode, c'est Divide and Conquer. Bon, faut être fan du Seigneur des Anneaux. Être familier un peu avec l'univers. Eh, écoutez, c'est une bonne victoire. J'en ai besoin. Hein. 1900 de rançon. Moi, je pense à un 3000 de rançon. Il y a beaucoup, beaucoup de prisonniers, là. Un bon 3000. À voir si cette merde de Théoden va payer. Ça, c'est pas sûr. Bon, par contre, il n'y a pas trop de skill, là. Ça se passe pas bien ce soir. On se fait péter la gueule. Mais bon, ça fait partie du jeu, de l'expérience de se prendre des fessées par l'IA, parfois. Et là, je suis responsable. Regarde, 3000 de thunes! Tiens donc, bougre Bubok a été bloqué, un terme à caractère sexuel par mon automode. Pas de bol. Et je vais pas à la table juste pour valider ton poste. 3000, allez, on rançonne. Et il paye! Ça, vous rendez pas compte à quel point j'ai pas d'argent? C'est un tour d'incom! C'est plus d'un tour d'incom que je viens de me refaire en rançon! Ça vaut cher. Ça vaut très très cher. J'ai tellement besoin d'argent avec le gobelin. Le gobelin qui marcelle. Et ils payèrent. Va voir sur les monts brumeux si j'y suis, Gurtang. Bon. Ouais, mission, ouais, je sais, mission. Mais là, la mission, c'est compliqué. Bon, il faut malheureusement que je recomplète mes troupes. Hein, que je mette un grand hall, 4 tours. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué, mais on est toujours là. Le gobelin s'est barré. Le gobelin est en train de se barrer, les gars. On est toujours là. On est toujours dans la place. On est toujours là. Je suis revenu à mon point de départ. Je suis revenu à mon point de départ. Mais j'ai des armées. J'ai de l'XP. Et on est quand même balèze. On est quand même balèze. D'ailleurs, je pense que je vais... Oh mais non, le gobelin qui a pris mon fort, mais non! Le gobelin a pris mon fort, et maintenant c'est mon... On est redevenu neutre. Je me suis réallié au gobelin. Je me suis réallié au gobelin. D'accord? Mais cette fois, je vais laisser des troupes en garnison, en permanence, en espérant qu'ils m'attaquent pas, d'accord? Je vais essayer de garder un service minimum. Ok? Pour les accès militaires. Au tour suivant, d'accord? On va essayer d'affiner ça. Tour suivant. Le son. Et les putains, le... Comme ça que je me fais copyright claim après par YouTube. Reprends l'air, demande la paix. Non, tant pis. On va faire ça. Il y en a un autre plus bas que je vais aller prendre. Mais il me faut des meilleures relations avec le gobelin pour pas qu'il me réattaque encore. Quitte à avoir des troupes en permanence, en garnison qui me font trop rien. On va essayer de s'arranger. Le son, Pépé, le son. Ça serait une bonne idée, ça, la poterne dorée. Bon. On est toujours dans le run. Et Red Lewin a rejeté le gift. Putain, les gobelins sont chauds. Les gobelins sont chauds bouillants. Military access. Ah, il le veut pas. Hein. Very demanding. Hein. Non, il voudra pas ça, malheureusement. C'est pas grave. Voilà. Yes, my lord. Il me manque un général. Ici, je vais continuer à compléter mes troupes.
Voilà, tranquillement. Dans 3 tours, j'aurai un bâtiment où je pourrais plus recruter. Mine de rien, j'ai de l'argent. Et maintenant, je peux lever, je peux recompléter. Et je vais aussi pouvoir lever de la troupe. Et je vais continuer à... Allez, quelle est la différence alors le... Ah oui, les frais cagling, c'est pour avoir la cave. Et moi, je préfère avoir les... On va partir sur les réguliers. Là, on va continuer à recompléter. Voilà. Écoutez, je vais réussir à mettre... Je vais mettre des garnisons partout, des camps militaires. On va se militariser. On va refaire de la viande. Et à un moment, on va repasser à l'attaque. Hein. Vous allez voir. La jauge pour les armes de pouvoir est bientôt remplie. Oui. Ça veut dire que dès que ça sortira, la fin août, je crois que le premier épisode est le 28 août. Ça te fait rire, Monsieur Iriki? Bien sûr que ça te fait rire. Et je vais devoir mater ce putain d'épisode au moins 2 ou 3 fois. Ah. Fait chier. Au moins, j'aurais été payé pour le regarder. D'où tu sors, toi? Ok, vas-y, barre-toi. Le gobelin, voilà, barrez-vous. Voilà, le gobelin se barre. Le gobelin est en train de se barrer. Par contre, il va me falloir des renforts. Bah, moi, j'ai une garnison, j'ai du beau monde. Je vais faire transiter peut-être mes... j'espère que j'ai avoir le temps d'amener mes réserves. Non, je vais pas avoir le temps d'amener mes réserves. Chier, j'aurai pas de phalange pour tenir. On va pas les sous-estimer une deuxième fois. L'enduin. Oh, le cadeau. C'est quoi déjà les généraux des... Ah ouais, Clorin et Wald. Oh, ça passera pas une fois. On va au moins amener des troupes fraîches. Qu'est-ce que je peux lever d'intéressant? Quasiment rien. Mon général, éventuellement. On ferait clagging. Voilà. Ok. On aura une petite armée pour défendre, plus la garnison. Plus la garnison. Ça devrait le faire. On va continuer à mettre des... Là, en fait, je vais avoir des unités en garnison gratuites. Là, je vais continuer à recompléter les pertes, tranquillement. Voilà. Donc là, je vais faire ça. Voilà. Vous savez qu'on n'est pas si mal que ça. On n'est pas si mal que ça, c'est compliqué. Mais... Ouais. Merco. Your orders, my lord. Ça va me coûter 2000. C'est un peu cher. C'est un peu cher, les Merco, là. Je pense que je peux gagner ça. Quoique. Non, tant pis, on va prendre les Merco. Your order. Yes, my lord. On va tout prendre. J'ai l'argent. Voilà. Là, on va être bon avec la garnison. Tellement bon qu'on pourra peut-être après contre-attaquer. Contre-attaquer sur le village là. Vous voyez, bye. Je vais. À quel point vous pensez que je peux alléger la défense sans que le gobelin vienne me péter la gueule? Là, j'ai 5 unités avec la garnison. C'est pas mal. Sans général. Je vais grid. Je vais grid d'abord, je vais essayer de récupérer la ville et après contre-attaquer là-haut et aller prendre bail. Et là, le sud, je vais me préparer à lever de la troupe dès que j'aurai recomplété. Et on essaiera d'aller prendre le bled, reprendre où j'étais. Écoutez, pourquoi pas, viens, vas-y, fais un stack. Si on peut refaire de l'argent avec une rançon, hein, tu auras une vieille connaissance. Pourquoi tu viens... Pourquoi tu viens faire du pseudo-spoiler, là? C'est chiant, ça, les gens. Ils peuvent pas s'empêcher de venir faire... Oh, regarde, moi, je sais, et pas toi. Une vieille connaissance viendra te voir. Hein? Pourquoi tu fais ça? C'est pas bien. Laisse les gens découvrir tranquillement. Là, maintenant, je suis spoil. C'est terrible, hein? Mais c'est bon, il en dit pas plus, les gars. Il en dit pas plus, il a juste dit que quelqu'un qu'on connaît va venir, mais il en dit pas plus. Ça commence par ça et ça finit par ça. Il en dit pas plus. Quel chieur. Bon.
On est attaqué. On est attaqué, éventuellement on essaiera d'avoir des renforts qui arriveront. Et là, on va continuer à recompléter. Voilà. Là, dans un tour, je vais finir ça, donc ça va me permettre d'économiser une unité. Ici aussi, une unité en plus. Ok. Je perds de l'argent, mais c'est normal. Tour suivant. Trois-quatre tous les deux tours. C'est pas sûr qu'il paye à chaque fois, le roi. Là, on lui a volé 5000 euros en 3 tours. C'est énorme, hein, vu mon économie. Hein. Il finance mon armée. Ok, bataille directe. J'ai les renforts qui vont arriver. Ok, il y a beaucoup de... Beaucoup de... Oh là là, ouais, c'est pas exceptionnel. Mais il y a beaucoup de javeliniers. Énormément de javeliniers. C'est parti, bataille. Mais en fait, tu sais que l'Isengard, Nathan, n'est pas en guerre. Tour 80, si j'ai rempli les conditions, l'Isengard, normalement, va rentrer en guerre. Donc ça fait partie du script. Hein. Ça fait totalement partie du script. Bon. Oh, la carte est horrible. La carte est horrible. J'ai l'avantage, par contre, d'avoir... T'es qui, toi? C'est mes javeliniers. Ok, j'ai des javeliniers d'élite. Est-ce qu'il y a une autre porte pour que je fasse sortir? Ouais, il y a une autre porte, je pourrais faire sortir ma cavalerie. J'ai deux unités de cave, il me semble. Voilà. Ouais, c'est deux light cave. Enfin, je fasse attention à pas perdre mon général, moi. Me connaissant. Là, on va pouvoir faire des beaux cartons sur la colline. Ici, je vais avoir les javelots. Et on va faire une ligne. Regardez. On va faire une ligne... Si j'arrive à placer mes mecs. Voilà. Je vais mettre... Est-ce qu'il y a beaucoup de cavalerie en face? Garde la cave. Éventuellement, pour casser l'élan de ces cavaliers quand ça va rentrer, on va mettre autour des chitrons. Avec la racaille, les bandits, on va couvrir les flancs. J'ai des tours. Je vais enfin pouvoir me défendre. Voilà. Une deuxième ligne ici pour la racaille. Mes javelots vont venir ici. Allez, mets-toi bien, hein, fais pas ton difficile. Voilà. Et je vais garder en réserve mon infanterie lourde. Ça servira pour plus tard. Voilà. J'ai l'angle de tir ici. Parfait. Ouais, c'est bon. Bah, on y est. Pas mal, non? Désolé, je vais me taire. Ouais, tais-toi, ouais. Tais-toi, ouais. Incroyable, ça. Les monsieur spoiler. C'est même plus du backseat à ce niveau-là. Il ruine le plaisir. Quand quelqu'un ne connaît pas, lui dites pas à moins qu'il le demande. J'ai jamais fait ce run. Pourquoi tu viens me dire que j'ai... Juste tais-toi. Attends, mais... Oh, c'est des archers, j'avais pas vu. C'est pas des javeliniers. Les Dun Earthslayer, c'est des archers! Je croyais que c'était des javeliers, mais pas du tout, ça m'apprendra à mieux lire les fiches d'unité. 220 mètres, ils sont excellents à longue distance! Je suis un âne batté! Par contre, là, vous savez qu'on peut faire beaucoup de prisonniers, peut-être. Hein. Strachan. Je t'emmerde, Strachan! Ma chienne! Bon. On va mettre un peu de son. Bon. Encore une bataille très importante. J'aimerais bien les rançonner aussi. Il y a un monde où ils vont payer. Bon alors ça bosse un peu Strachan, au lieu de troller dans mon chat, Strachan, t'étais pas au chômage toi? T'as retrouvé du boulot là? Hein? Comment ça se passe? Raconte-nous là! Strachan indépend ou Strachan CAF?
Bon, on va se moquer un peu, non? Allez, ça y va. Il y a beaucoup de tireurs. Énormément de tireurs. Ouais, tout qui va regarder ça, c'est parti. Il te faut 8 villes en plus de ce que tu as au début. 8 en tout. Oh là là, ça arrive. La racaille est là. Oh les javelots. Oh les javelots, c'est bon, ça part dans la racaille. Allez, il y a tout qui rentre. Allez, on engage les piquiers. On avance le chiltron. Les bandits se font allumer. Mais c'est normal. Oh là là, ce qu'ils ont pris, mes bandits, avec les javelots. Terrifiant. Oh, les pertes que je prends avec les tireurs. Il a vraiment beaucoup de tireurs. Mais on le mange aussi. Allez. Oh mais c'est il est chaud hein. ...25% de perte, ça se passe pas si mal que ça. C'est beaucoup de légers en face. C'est vraiment des combats de clodo hein. Les renforts ne bougent pas. Putain, j'ai oublié les renforts. Je les avais oubliés, figure-toi. J'avais oublié les renforts! Ça se passe bien même sans les renforts. 35% de perte. Non, pas mon général, mais on va mettre un petit coup de soin à proximité. Allez, il y a du monde là. Il y a beaucoup de monde. Je vais essayer de casser leur morale, mais ça va être difficile. Hein. Ok, pas la peine d'y aller. Pas perdre de troupes bêtement. Oh là 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 là! Y'a du monde là. Ils ont déjà perdu la moitié de leur armée, donc ça fond mine de rien. On dirait pas, mais ça fond. Oh là là, les pertes que je prends! Aïe aïe aïe! Non 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 non, attaque pas mon général! Son moral est impeccable. Pourtant là, il y a plus que 5 mecs dans l'unité. Mais il me poursuit là. À 3 mecs? Ils sont 3? Sont 3, ok. Allez, une petite charge. Allez, la petite charge. Voilà, voilà, ça c'est une belle charge. 50, on se replie, on recommence. Oulala, barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Bon, je vais engager ma réserve. On est en train de les manger. Le problème, c'est que je vais pas faire de prisonniers. J'aurais vraiment aimé faire des prisonniers. Rançonner un peu tout ça. T'as son unité, fufu! Leurs unités sont fufu. Mais lui, il était là. Et il est fufu, je le vois pas, il est ici. Comment je ne le vois pas? Mais c'est pas possible. Bon, alors toi, tu vas prendre tarif. Hein. Tu vas payer pour tes potes. Allez, les deux passent à la trappe. Hein. Là, il n'y a plus rien. Le sandwich. Voilà. Magnifique. Parfait.
Ça fuit. Une en moins. Il est seul. Il est seul. Bon, c'est en train de lâcher. J'aurais même pas besoin d'engager mes lasers. Il se sera bien battu en tout cas. J'aurais quand même pris des pertes. Hein. Mes renforts arrivent, mais la bataille est terminée. Hein. Pas de prisonniers, malheureusement. Vous savez qu'ils se battent, mieux que le roi. Hein, ils se battent mieux que le roi. Oh, mes archers qui font du Friendly Fire. Merci, les gars, le Friendly Fire. Allez, ça lâche. Ouais, ça lâche. Mais ça se bat bien. J'ai pas tué son capitaine aussi. J'ai malheureusement pas tué son capitaine. Dans les runs, c'est lui. Ouais, le clan Herald. Fait chier. Ils sont plus que 11. Après, en soi, l'élite de mon armée est intacte. Mes deux unités de phalange expérimentées. Mes mercenaires. Il reste que le général. Quel enfer. Il reste plus que le général, hein. Je sais pas où il est. Hein. Il est là. Ah, il reste plus que le général. Le dernier à mourir. Ça, c'est pas moi qui le fais, ça, hein, des fois. J'aimerais bien, moi, que mes généraux soient les derniers à crever. Belle victoire. On la prend. Ils étaient quand même nombreux. Et je pense que je vais contre-attaquer tout de suite. T'as perdu du bandit de la garnison. Ouais, carrément, c'est pour ça que je les ai pris. Pour juste en prendre des javelots. Donc c'est une bonne bataille, parce que le corps de mon armée est intact. Et je pense que je vais contre-attaquer. Je vais aller prendre la ville au nord. Et je vais me préparer à retourner prendre... Vous allez voir, tour 80, c'est long. J'ai encore tout le temps de me faire ramener par tous les trous. Ou alors, peut-être que ça va mieux se passer. Allez savoir. En face, vous avez vu que c'est de la racaille aussi. Hein. Le Rohan, et le Rohan, il a des stacks, mais c'est aussi un peu de la merde. Hein. Allez, casse-toi, toi. Ok. Je vais prendre mon espion. Et on va aller voir ce qui se passe à Baille. Baille est vide. Je vais prendre lui. 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 Un chiltron. Un tireur. Et je vais tenter la descente sur Baille. Et ici, je vais lever de la troupe. La boutique tient. Non mais ils me veulent tous. Hein. Enid Waite me veut, le Rohan me veut. Écoutez, j'ai jamais été aussi populaire. Hein. Et je vais même lever, ça se passe tellement bien. Est-ce que je lève de la troupe ou alors j'investis dans le trade? Je vais investir dans un peu de trade. Il faut que je continue à développer... le merdier. Parce que là, au niveau économique, c'est chaud. Et je pourrais lever une nouvelle phalange. Qui partit. Ça, après, on va lever une armée qui va aller attaquer. Hein. Voilà. Je suis à poil. Hein. Je n'ai plus un centime. Je suis fauché. Le son. Où est la poterne dorée quand on a besoin de lui? C'est compliqué comme run. C'est très compliqué, mais on s'accroche.
Tiens donc, les gobelins qui se font casser la gueule, sûrement par les Dunedain. Allez au fond du trou. Écoute, c'est très philosophique tout ça. Bon. Je repasse à l'attaque, hein. Et normalement, à bail, y a pas de mur. Regardez. Y'a pas de mur. Je vais faire ça parce que je pense que je peux gagner avec le minimum de pertes qui soit. Chieftain. Oh, c'est l'héritier de faction. Oh, il est avec des forestiers. Oh, quel enfer. Combien je prends en bataille auto? Je demande, attendez. Je vais la prendre. Je la prends en auto. Il y a des forestiers en face. Les forestiers vont être très chiants. On se débarrasse de l'héritier de faction. On prend bail. Et regardez. Par ici, la bonne soupe. J'installe des bâtiments militaires. C'est ma culture. Et je vais pouvoir recompléter très rapidement. Ou alors, j'installe une garnison. Je peux pas. J'ai pas l'argent. Ou alors, attendez. Ah non, j'ai levé de la troupe. Qu'est-ce que... Ouais, il me faut de l'infra. En soi, je fais de l'argent. On est pas mal. Le gobelin... On est parvenu à amadouer le gobelin. J'espère que le Rohan va m'attaquer. Eh, s'ils pouvaient se mettre sur la gueule, les deux, là. Je vais aller vérifier, mais... Si Enid Weiss pouvait se battre contre le Rohan... Ça serait incroyable. Enid Weiss. Enid Weiss. Ils sont en guerre que contre moi. Voilà. Ils sont en guerre que contre moi. Il y a quoi là-bas? Écoutez, Enid Weiss n'est pas... 1, 2, 3, 4... On n'est pas si mal que ça, hein. On n'est pas si mal que ça, hein. Tour suivant. Tour 40. Je suis à la moitié du timer et à la moitié des objectifs. Enid Weiss. Enid Weiss qui attaque. Il a pris son ticket. Allez, viens, gamin. Ok, là, il se barre. Le problème, c'est que le gobelin me force à avoir des garnisons permanentes dans mes villes. Et ça, c'est très, très chiant. Le Rohan en renfort surtout. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. Bah, qu'ils viennent, hein. Je vais leur faire un tarif de groupe, hein. Tarif de groupe pour tout le monde, hein. Nouveau général, alors ça, ça fait plaisir. Imladris assiégé. Où ça? Osgiliath est perdu, ok. Nouvelle mission. Lord Angren. Il veut que je fasse un blocus? C'est une blague. Non, mais comme si... Oui, bien sûr, un blocus, hein. Ouais, ça y est, j'ai pris un port et l'autre, il croit que je peux faire un blocus. C'est terrible. Bon, attendez. On a récupéré un général qui va pouvoir partir dans la capitale. Voilà! Nice! Je perds de l'argent, mais c'est pas grave. Je perds de l'argent. Oh là là, ouais. C'est catastrophique. Parce que je suis sous siège. Bon, après, ici, il va être accueilli. Hein. J'ai 3 unités de phalange. On n'a jamais été aussi fort ici. Qui viennent avec son gang de singes. Mais le problème, c'est que là, il me fait perdre de l'argent. Il me fait perdre de l'argent avec ces conneries. Eux, ils sont efficaces contre l'armure, ouais. Et ils font peur. Eux seraient bien quelques berserkers dans mes unités, mais je peux pas me permettre pour l'instant. Et ici... Ok. Pas mal.
Isengard, c'est une passoire. En fait, l'Isengard n'est pas en guerre. C'est un scénario particulier quand vous jouez Dune Landings. L'Isengard va rentrer en guerre tour 80 si vous avez respecté vos engagements. Donc pour faire simple, le roi n'est pas en guerre contre l'Isengard. L'Isengard est juste sur sa province de l'Isengard et est neutre. Voilà. Rohan et Ned West, ils s'entendent bien. Ned West a un seul ennemi. Pour le moment, c'est moi. Donc ouais, je suis un peu isolé. Je fais un 1 contre 2, en fait. J'affronte Rohan et Ned West. Ce qui est pas facile. Et je perds de l'argent. Je perds de l'argent. Oh là là, mais regardez ce qui arrive. C'est des sacrées armées. Hein. Commence à y avoir du beau monde. Commence à y avoir du beau monde. Là, je pourrais... Écoutez, je vais prendre le risque d'alléger la défense. D'envoyer des renforts là-bas. Et on va essayer, avec une armée, d'aller peut-être prendre Baradvin. Baradvin qui est... un beau fort. It will be an honor defeating you. Druidrain. Ok, torse fort. Bon, est-ce que ça va attaquer? Je voudrais bien qu'il attaque là. Il y a peut-être des prisonniers à faire. Ah, si on peut se financer sur Enid Way, c'est le roi. Parce que là, il y a beaucoup de monde autour. Hein. Ça attaque! Ça attaque! Et il n'y a pas le Rohan en renfort, figurez-vous! Capitaine Saradoc, il a quand même quelques belles unités. Hein. Les Liadan Spearman sont excellents. Il a aussi des Billman anti-armure. Ça tombe bien, j'ai pas d'armure. Et il a pas mal de tireurs. Ok, c'est parti. Par contre, il n'y a pas de général. Mais on va pas les sous-estimer. On a vu que ça a un bon moral, les Nedways. Et le Gondor, je suis désolé, mais la qualité des armées du Gondor... C'est pas Ned Wise, quoi. C'est quand même le jour et la nuit. Bon, là, j'ai quand même une sacrée ligne de feu au niveau def. Voilà. En plus, j'ai de la garnison en renfort. On va pouvoir spam. Je vais même garder une unité de phalangiste en réserve. Autant utiliser les garnisons en priorité. On va les laisser rentrer un petit peu dans le merdier. On va les laisser rentrer pour mieux les tuer. J'ai beaucoup de tireurs. J'ai beaucoup de tireurs, donc on va... Oh ouais, j'ai beaucoup de tireurs. Hein. J'ai vraiment spam les tireurs. Mais comme dit, je prépare une armée pour sortir, en fait. Dès que je pourrai... Dégagez de là. On dégagera. Toi, tu vas rester en deuxième ligne. C'est la racaille. Eux sont vraiment nuls. Ils ont une espèce de gros crochet, là, de poisson. On va mettre sur les flancs pour couvrir. Voilà. Il y a beaucoup de... Dans cette armée de tireurs. Voilà. Moi, je vais garder l'unité en réserve. Tiens, toi, là-bas, tu restes là-bas. J'ai trop de troupes pour défendre. Ce qui est une très bonne chose. Et les arbalètes pour s'abattre. Voilà, c'est parti. Hop. Hop. Est-ce que je peux pas taper les bonnes unités? Voilà, les Spearman. Les Spearman sont une bonne unité. C'est du T2. De Ned Wais. On va tirer là-dedans. Voilà, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ah, ça aime pas les cailloux, hein. Parce qu'en même temps, qui aime les cailloux dans la tronche? Voilà, c'est trois bonnes unités qu'on va fondre. Ça va fondre, ça. Si je me débarrasse déjà de ces deux, trois unités-là, on sera bien.
Bah alors, tu tires pas? Voilà. Les spams, des stacks, ouais, mais c'est un... Divide and Conquer est un jeu de spam, hein. Oh là là. Allez, ça va avec moi tout ça. Voilà, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ouh, il tire aussi. C'est bon. Si ça tombe dans ma garnison, c'est parfait. Ouais, c'est mes garnisons qui prennent surtout du dégât. Oh, on est en train de croquer les unités d'infanterie moyenne, là. Ça doit prendre des pertes, hein. 8% de pertes. Voilà, voilà, ça tombe bien, 126. Ok, ça va. Oh là là, il me fait mal aussi, hein. Il me fait mal aussi, hein. Bon allez, tu rentres ou pas là? Je suis en train de me faire croquer mes unités. Ah, il prend son temps, hein. 40%. Il est pas pressé, hein. Voilà, comment on ressent les flèches comparées aux autres Total War. J'ai hâte de jouer à Warhammer d'ailleurs là. J'ai hâte de continuer mon run avec les elfes. Je m'amuse bien avec les elfes, hein, c'est génial. Ah, la porte a sauté. On lui a fait beaucoup de pertes, il était à 112. Il va sûrement tomber à 100 avant d'arriver. Voilà, 102, parfait. On va changer de cible. Ok, ça arrive. Oh là là, bah allez, viens, viens, c'est des archers, viens au cac, parfait. Viens, gamin, mon mignon. Oh la sauce, il y a du monde qui arrive. Hein. Cette fois, je vais pas les sous-estimer, la dernière fois, j'ai fait de la merde. Sur une carte similaire, j'ai été méchamment puni pour ma bêtise. Il y a tout qui rentre. Oh là 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 là, regardez-moi ça, le monde. Allez, sois pas timide, rentre, regarde, on contrôle pas les passes sanitaires. On laisse rentrer tout le monde, passe ou pas. Je sais pas si j'ai l'envers. Ah, quoi que si. Vous savez quoi, là, je vais décrocher. Et je vais... tirer dans le tas. Je vais tirer dans le tas. Regardez, je vais juste faire ça. Hop. Et je vais rester en réserve. Hop. Et voilà, feu, c'est parti. Voilà, allez hop. On va, tailler, on va tirer dans le tas. Voilà. Là, tire sur la hauteur. Et là, normalement, j'ai des parfaits angles de tir. Attends, ici, qu'est-ce qu'ils me font? Oh, mes deux formations sont liées. Quel bordel. Oh, mais qu'est-ce que vous faites, hein? Obéissez! Oh. Oh, putain, je vous jure, des fois, les IA tirent. Ta langue, je sais que ta langue, me prend pas pour un con. Oh là, ça va, ici.
Au niveau des pertes, on est pas mal, mais pas si bien que ça. Il tire pas. Je fais des tests, hein. Pourtant, j'ai l'angle. Si je fais ça. Ils sont bougés. Ils veulent pas tirer. Je viens encore plus près pour leur ouvrir l'angle. Je suis peut-être trop loin. Le retour du pass sanitaire! Il y a encore des gens qui pensent que ça fonctionne cette merde! Bon, écoute, il y a des bouffons partout. Hein. Plus rien de me surprend, moi. Bon, on va attaquer. Oulala, oulala, oulala. Et là, c'est les Billman. Ça, par contre, c'est de la merde. Oh, ça fuit! Il fuit à 72! Ouais, voilà, ligne de pique qui avance. On va engager des réserves et on va essayer de venir les... Voilà, et le tir à bout portant là, il régale. Hein. Le tir du général à bout portant là. Allez, on pousse. 43% de perte. Là, on les submerge. Là, mon général se régale. Ah, je vois plein de petits cailloux qui volent par-dessus, c'est parfait. Ça parle de confinement avec la variole du singe, mais non, tu mens. C'est pas possible, il recommence ça. Mon général aura sacrément tiré là dans le tas. Oh là 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 là, mon général. Et regardez tous les petits cailloux qui volent là. On les voit pas. Là, ça y est. Hop, hop, hop. Voilà. C'est ça qu'on veut. Ça fuit, hein. Ça fuit. Allez, on y va. Attaque générale. Voilà, allez. Chopez-moi tout ça. Il y a des prisonniers à faire. Eden Waze va payer. Pour nos fortifs. Voilà, 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 voilà les prisonniers qui montent. Hein. C'est bon. Hâte de contrôler les QR codes, putain, ça. Moi, je peux pas, hein. J'ai un Nokia, les gars. Je suis allergique au smartphone. J'ai une ordonnance du médecin qui dit que je suis allergique au smartphone. Comment ça se passe? Pas bien du tout. C'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est pas perdu. On s'est fait casser la figure, on a perdu une énorme bataille qu'on aurait jamais dû perdre. Allez hop. Là, je vais retenter une sortie, sauf que cette fois, ça va mieux se passer. Voilà, les Billman, ils viennent s'empaler au cac. Voilà, ça fuit. Allez, mange-moi tout ça. Voilà, 200 prisonniers. On prend. On rançonne, hein. 2500 de rançon. Oh, c'est beaucoup, hein. Moi, je dis c'était du T1, 1000 de thunes. Déjà, 1000, c'est pas mal. Après, vu que c'est un siège, je sais pas comment ça va se passer. Mais 1000, je prends. Surtout, il y a le Gondor qui a pris son ticket, hein. On est à la NPE, là. Hein. C'est la CAF le premier du mois. Hein. Ils attendent avec leur ticket, hein, pour avec le reçu et tout, hein. Ah ouais, 1100, j'étais pas loin, hein. Vous avez vu, j'ai le nez pour les rançons, pour l'argent. J'ai le pif. Allez, on rançonne. Et les Deadways paye. Allez, casse-toi. Est-ce que vous pensez que le Rohan va m'attaquer? Est-ce que le Rohan va m'attaquer?
Moi, ça me plairait que le roi m'attaque, hein. Comme ça, je récupère l'argent, hein. J'ai désespérément besoin d'argent, hein, et on aime l'argent, hein. Mais les caisses sont vides, hein. Kérandros sous siège. Il a pas attaqué. Regardez les stacks qui arrivent. Bon, ça va me laisser le temps de recompléter mes pertes. Voilà, on a quand même pris quelques pertes dans les unités. 150, ça va. 151, ça va. Ok, c'est bon. C'est bon. Au niveau argent, on n'est pas si mal que ça. Là, j'ai des renforts qui arrivent. Oh là là, le château à 1512. Le château, je prends, hein. Avoir une petite forteresse, là. J'ai peut-être... Ah non, j'ai pas d'argent. Je suis trop gourmand. On va plutôt privilégier ici... J'ai pas d'argent. 345 de pop! Qu'est-ce que c'est que cette ville de merde? Je suis allé m'emparer de la ville la plus pourrie du coin! Quel enfer! Bon bah on va mettre le château. On va mettre le château, j'aurai au moins une unité gratuite en plus. Et là, bon, j'ai mon petit marché qui va se terminer. Je perds exactement 46 de thunes. C'est pas brillant. Mais mes choix de jeu sont limités. Mes choix de jeu sont extrêmement limités. Le son. Bon, on est toujours en vie, hein. C'est le plus important. C'est le plus important. Qui sont tes alliés et tes ennemis? Ouais. Tout le monde est un peu mon ennemi, hein. Et les gobelins qui sont mon allié m'ont backstab et ont pris ma capitale. Voilà, mes alliés. C'est compliqué, mes alliés. Les Dunedain, c'est techniquement pas mes ennemis. Mais s'ils peuvent dégager du gobo, peut-être que je pourrais plus m'arranger avec les Dunedain qu'avec les gobos. Isengard, c'est mon allié. Ouais, c'est mon allié, Saruman... Je suis un peu sa pute plus qu'autre chose pour le moment. Ah oui, en effet, les Dunedain font le siège de Tarbad. Je vais aller faire de la diplomatie avec mes camarades. En soi, j'ai des bonnes relations avec le Dunedain, c'est juste qu'on est... il faudrait que je fasse la paix avec Bri. Mais Bri est un peu loin. Ah, mais ici... J'ai même plus assez d'argent pour recompléter mes unités. Ça va devenir de plus en plus dur, là. Je pourrais prendre l'armée. Je prends l'armée. Je laisse un giga clodo comme ça. Et on attaque. Direction Eoroth. Je tente ma chance. Je vais alléger la garnison ici. Et je vais rejoindre l'armée principale à Eoroth. Voilà. On joue le tout pour le tout. T'es en guerre contre le Rohan. Ouais, regarde. Non, ils viennent faire du tourisme, la trace, tu vois. On va mettre la... Oh, attendez, les gars, il y a un coup à jouer. Il y a moyen de faire une crasse. Vous m'en voudrez pas, je sauvegarde. La poterne! 1! Ah, regardez la poterne dorée qui se réveille dans le chat! Il y a un coup à jouer pour prendre avec mon espion! On va ouvrir une petite poterne! Tour suivant! Ça se tente la poterne! It's poterne time! Allez, regardez le Rohan qui veut prendre sa petite dose. Ah ouais, le problème c'est qu'il est en train de dévaster mes terres. Donc tant mieux s'il vient m'attaquer. Normalement les deux stacks sont présents en renfort. À l'ancienne. Je crois que c'est 30% de chance. 30%. Ça se tente totalement. Me trahis pas maintenant le gobelin. Hein.
T'as assez de problèmes comme ça avec le Dunedain? Tour 43, on est large. Ok. Il a reçu des renforts. 40% de chance. Écoutez, vous m'en voudrez pas si je joue avec la save. Si ça passe pas, je recharge et j'irai direction Eorot, d'accord? Yes, my lord. Ça passe pas! We shall prevail. Yes. Ça va être le coup de tester. Ça va être tout. Voilà! Ça, j'ai le droit! Je perds une bataille! Mais ça, c'est le genre de petit move, voilà quoi. Non, je réessaye pas. Si ça passe pas, ça passe pas. Je vais aller retenter à Eorot. Je vais aller tenter à Eorot. C'est con parce qu'il y avait un bon coup à jouer. Hein. La ville était vide, sans général. Les cinématiques de Medieval 2 étaient un super jeu. Bah, dans Shogun 2, t'as aussi le même truc. Hein. Allez, mon espion. Et là, tour d'après, on tentera. Oh là là, peut-être... Ouf, comme ça. As you wish. We'll make camp here. Yes, my lord. Ma situation économique est catastrophique. Par contre, tour d'après, il y a moyen de faire beaucoup d'argent. C'est officiel, Tarbad a changé de main. Tarbad est aux mains des Dunedain. Allez. Je peux pas m'arrêter sur ça. On joue. On va voir ce qui va se passer. Si je pouvais réussir à faire sauter une petite poterne, ça ferait tellement mes affaires. Ah ok, il vient attaquer mes renforts, ça me fait chier, mais c'est pas grave. Je me doutais qu'il allait faire ça, mais bon, fallait essayer. C'est la racaille. Allez, tire-toi le plus loin possible. Voilà. Oh là, t'es sérieux là? Ah non. Je me disais bien. Oh, ça va être compliqué hein, de faire le siège là. Je pense que le roi va m'attaquer. Si le roi m'attaque... On essaie de faire du kill. Et il attaque pas le roi. Deuxième chance. 40% de chance. Ça passe pas, mais putain, on a pas de chance aussi. On a pas de chance. On va essayer de le bait. Masturbator. Ça se joue large avec ma petite troupe là. J'ai des bonnes phalanges. J'ai un bon général. Ça se tente hein. Je suis fauché hein. Le fait qu'il m'amène de la dévastation et qu'il attaque pas ici, ça me rend dingue. S'il m'attaquait, j'arriverais à gagner de l'argent. Ok, il attaque avec deux stacks, écoutez. Il y a un monde où il y a une rançon, donc le but c'est pas de gagner. Gagner, on va le faire. Le but c'est de faire des prisonniers. Le but c'est de faire des prisonniers pour rançonner. J'ai besoin d'argent. On est en négatif. Je ne peux plus recompléter mes unités. On en est là. Là. Et si on va recommencer comme tout à l'heure? C'était très très bien tout à l'heure là, mon chef de faction là qui tirait proprement. Là, on va se mettre comme ça. Voilà. Bon, putain, mais le terrain est merdique. Les unités sont assez grandes. Allez! Ah, il y en a deux aussi, putain. Comme ça.
Bon, on les replacera. On les replacera. Toi, tu viens là. Heureusement que j'ai mes garnisons. Parfait. Toi, tu vas mettre un petit chiffon. Il y avait pas mal de cavalerie. On va respecter la cave. On va respecter la cave. Quand même. Toi, tu te mets en deuxième ligne. Ok. Tout est là. Facile. Let's go. Oh, je me suis trompé d'unité. Oh, je suis un âne batté. Oh, je suis tellement un âne batté. A new power is rising. It's victory is at hand. Lorkin, 16 mois. Merci, mec. 4200 de rançon, on n'a même pas commencé à faire des prisonniers. Qu'est-ce que tu parles là? T'es vachement optimiste, hein. Hold your ground. En soi, c'est une très mauvaise armée. Cette armée est mauvaise. Cette armée est très mauvaise. Et il n'y a pas de général, elle va tomber très vite. Le but, c'est de les laisser rentrer et les tuer assez vite. Le but, c'est de faire des prisonniers. J'ai besoin d'argent. Je n'ai plus un sou. Les stocks d'argent sont vides. Huntsman. Allez, ça va que moi ça, voilà. Take their blood. Allez, on passe au suivant. Ouais. État de la cavalerie. Ah mais non, on doit pas avoir la même armée, toi et moi. Ou tu vois que j'ai de la cave, Nathan. Ou tu veux mon morceau de lunette. Allez, ça tombe. Déjà, alors on fait du kill, hein. 7% de perte, ça tombe. À... Ah, le bélier est juste que là maintenant. Ok. Ouais, j'ai mal placé mes tireurs encore. Je vais essayer de les mettre plus bas. C'est notre armée qui a de la cave. Ah, ils en ont beaucoup, hein. Donc, je neutralise l'infanterie, vu que mon armée est majoritairement de l'anti-cave. Ils sont déjà à 9% de perte, hein. 9% de perte. Et il y a deux armées, hein. Il y a tout ça qui va arriver en renfort, regardez. On va se régaler. Bon, par contre, eux vont être un peu plus déter, hein. Eux vont un peu moins rigoler, mais c'est possiblement de la bonne rançon possible aussi. Il y a de quoi faire dans les deux armées là. Il y a de l'argent à prendre. Voilà, voilà. Oh les pertes que ça prend. Allez, il y a toute la viande qui arrive, c'est parti. Toute la viande est là. Paysans miliciens, c'est vraiment de la merde. Oh là 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 là. Allez. On va les laisser monter un peu. On va avancer.
Ils sont déjà dans le jaune. Ils sont déjà dans le jaune. Ça peut paniquer très très vite. Hein. Là pour le moment ça s'empale sur mes... Ils sont dans le rouge. On va essayer de les faire... Ok, ça va lâcher. Ça va lâcher. Ça panique. Choper les prisonniers, les QR codes. Allez, chopez-moi tout ça, chopez-moi tout ça. Voilà, 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 voilà. Eh ouais, c'était une armée pourrie. Allez, on poursuit pas. On poursuit pas. Y a l'autre armée qui arrive. Et elle va être un peu plus agressive. On a déjà fait 200 prisonniers. 200 prisonniers sans trop forcer. Cessez le feu. On va attendre que... Il me semble que... Par où ils arrivent? Oh, ils arrivent de l'autre côté. Oh, c'est génial ça. Ok. Regardez-les. Ah, il tire sur mes... sur ma viande. Ok, il y a du monde. Il y a du monde. Au niveau des pertes, on a plus 4% de pertes. C'est très très bien. Oli, il faut que je fasse des prisonniers, faut pas que je les tue trop vite. Allez, rentrez, pas besoin de QR code. Tout le monde est le bienvenu pour Macumba. Est-ce qu'il y avait un général dans cette armée? Vous vous rappelez? Même pas sûr. Oh, il y a beaucoup d'infanterie. Hein. Oh là là. Allez, on va les laisser rentrer. Which way? Take back. Allez, tire dans le tas. Tire dans le tas. Voilà, parfait, 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 parfait. 43% de perte, on se régale. Ça y est, ça force, ça y est, il est pressé maintenant. Il a vu les filles. Il est déchaîné. Voilà, oula, où tu vas toi? Voilà, viens, viens sur mes phalanges. Allez, jetez-moi les cailloux. Hop, 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 hop. Voilà. Et là, pareil, continue à tirer. Oh, je suis en train de sacrifier les pauvres lanciers, là. Restez en def. On attend que tout rentre. Il y a encore du monde. Regardez-moi tout ça, là. Et après, on va nasser tout ça. 50% de perte, on est très très bien. Eux vont être plus difficiles à tomber, quoique. Quoique, on va les laisser, continuer à les laisser rentrer. On va attaquer. Le problème, c'est que si là, je fais que défendre, on va pas réussir à les...
à les faire lâcher. Là, ça lâche déjà. Son moral est tellement merdique que ça lâche déjà. Allez, nassez-moi tout ça. Eh, le mur de pique qui avance, vous voulez pas affronter ça. Allez. Là, je vais faire du scanning fire, ça va tirer. Et là, on va attaquer avec le général aussi. On pousse. Sauter le chitron. Ici, pareil. Allez. Là, il a un bon moral. Mais j'ai vu les... Il y a des prisonniers. C'est en train de fuir. Regardez les prisonniers, ça monte doucement. Le général fuit. Les prisonniers, ça monta. Allez. Tout ça. Il y a encore beaucoup de monde dehors. Moral jaune. Le problème, c'est que j'ai pas tué le capitaine de la deuxième armée, malheureusement. Et le capitaine a fui. Allez, chopez-moi tout ça. ...280 prisonniers, c'est pas beaucoup. Hein. J'aurais aimé faire plus. Hein. Bon, il y a encore du monde dehors. Ça va peut-être paniquer. Mais l'armée est un petit peu plus quali que ce qu'il y avait tout à l'heure. Et maintenant je prends des pertes. Bon, ça reste léger ce que je prends. Il est en train de les repousser. Ah, ça lâche pas, hein. Ça lâche pas. On a dégagé deux stacks. Il y en a encore un troisième. Donc le problème, c'est qu'il pille mes terres. Ouh, on a fait des prisonniers. Ça monte. Allez, chopez-moi tout ça! Et il tire à bout portant, aïe aïe aïe! Là, une flèche, c'est un mort, hein! Vu le niveau d'armure de mes mecs! Empêchez-les de tirer! Aïe 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 aïe! Allez! Oh là là, ça se bat bien jusqu'au bout! Voilà, c'est bon! Ça lâche! Ça lâche! Bon, j'ai pas de cavalerie pour la poursuite. Je fais des prisonniers, mais je fais ce que je peux! 324, c'est le mieux que je puisse faire. C'est le mieux que je puisse faire. Et c'est déjà pas mal. Ouais, ma garde d'Hortank, mon général, 500 kills. Hein. Ça bosse bien. Hein. 2787. Ouais, peut-être, je sais pas, 300 prisonniers. Peut-être un peu moins, je pense, quand même. Hein. 1500, peut-être. C'était que... C'est pas des bonnes unités que j'ai capturées, en plus, hein. Entre 1000 peut-être. 1500, ouais.
C'est mieux que rien, hein. Ça me permet de remplacer les pertes et de continuer mon attaque. Alors. 1835, Jakku, mais non! Jakku avait dit 1836, ça! Pas mal! Hein? Allez, rançon! Il paye pas! Il paye pas la rançon! Il veut pas! Il paye pas la rançon, malheureusement. Jakku, les chiffres du loto. Ah, écoute, s'il les avait, je pense pas qu'il serait là. Oh là là, oh là là, oh là là. Il va tenter... Oh, il prend la confiance. Il attaque sans les renforts. Oh là 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 là, l'IA vient de faire une bêtise. L'IA vient de faire une grosse bêtise. L'IA vient de faire une énorme bêtise en n'amenant pas son autre armée. Je prends cette bataille, les gars. Je prends cette bataille. L'IA est trop confiante. Il y a moyen de la sanctionner. Elle est importante, cette bataille. Elle est importante. J'ai des tireurs. On va voir la hauteur. J'ai deux unités de phalange. C'est deux belles troupes. J'ai de la cavalerie en plus pour la poursuite. J'ai une unité d'infanterie lourde. Pas de réserve, hein. Là, ouais, si, on va quand même garder une unité d'infanterie en réserve. Ma racaille, mes bandits. Voilà. Bon, voilà, on doit jouer avec ça. Ils arrivent dans mon dos. Je peux déjà leur tirer dessus. On va leur mettre cher. Il n'y a pas de cavalerie, rien. Je vais aller choper les missiles. Let's go. L'autre armée arrive dans mon dos. Je vais me débarrasser de celle-là. Le seul goal, c'est pour l'épisode 1. C'est pour l'épisode 1. Frère shooter. Le premier épisode sort le 28 août. On va charger. On va charger, c'est parti. C'est que du tireur. Il y a de l'infanterie moyenne, on va se focus dessus. Allez, la charge de cave. En avant. J'ai pas chargé. Non, trop tard. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. On se replie. Et vous savez quoi, je vais attaquer avec les bandits. Avec toute la racaille. Oh, et ma cavalerie qui fait n'importe quoi. Ils sont plus 63, on est en train de les tomber. Je vais empêcher ces archers de tirer, vous voyez. Je vais empêcher ces archers de tirer. Il a des meilleures unités de tir que moi. Et je veux me débarrasser de son infanterie moyenne. Allez, viens chercher les tireurs. Voilà, allez, on attaque. Et là, il y a son autre armée qui arrive là-bas. Là-haut. Faut que je me débarrasse de celle-là avant que l'autre arrive. Allez. Ah, j'avais pas vu qu'il avait des bilbanes. Replie-toi. Il avait deux unités d'infanterie moyenne. L'erreur. Maintenant, on recharge. Allez. Ma meilleure infanterie, voilà. On va essayer de charger dans le dos. Allez, la petite charge dans le dos. C'est passé. Allez, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Magnifique. Ça fuit. On les a mis en fuite, déjà. Là, je vais pouvoir mettre en place ma phalange. Ils arrivent très très vite. Prendre de la hauteur. Comme ça. Hop. C'est parti. Là, je me débarrasse d'eux. Oh, ça fuit. Magnifique. Là, le but, c'est de rien laisser partir. Surtout la garnison.
Là, ça fuit aussi. Là, on va se mettre en place pour accueillir l'armée ennemie. C'est de l'infanterie légère, c'est de la merde. C'est du caca! Allez, feu! Et là, avec ma cave, on va tout poursuivre. Je ramène des renforts ici pour venir défendre la phalange. Oh, je suis mal placé là. Je suis très mal placé au niveau du terrain. Et vous, vous voulez pas tirer? Allez, hop. Ils s'en foutent, ils ont été payés. Les héritiers de Tolkien. Les héritiers de Tolkien, ils s'en foutent, mec. Ils ont été payés 500 millions de dollars. Ils en ont rien à péter du reste. Oh, on a eu le... Voilà, ça, c'est le capitaine ennemi. La cavalerie. Non, mais vous n'avez pas à l'aimer. Finissez-les. Bon, bah, malheureusement, on va pas réussir à tous farcir. Là, vient tirer de flanc. Et là, pareil. Là, mes phalanges tiennent la boutique. Là, ma cavalerie commence à m'agacer. Oh là là, les pertes que je prends. Comment ça se fait que je me fasse autant laver les fesses? Allez, on vient tirer dans le dos. Là, on vient se mettre de flanc. Là, il y a une unité qui fuit. On la chope. Là, on vient flanquer. Allez, les petits tirs dans le dos. Parfait. Ici, on a tout liquidé. Marche arrière. Là, le but maintenant, c'est d'empêcher que sa garnison s'enfuit. À l'importance de cette bataille. Allez. Voilà, 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 mange-le bien, fais-lui du DPS, replie-toi. Aïe, 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 il m'a attrapé, et c'est de l'anti-armure cette merde, c'est de l'anti-armure, ça fait très mal. Oh, regardez mes lanceurs de cailloux, ils font le boulot, hein, ça bosse bien. Voilà. Parfait, encore une ou deux salves. Là, ça va s'enfuir. Ma cavalerie arrive. Non, mais c'est une blague. Là, je continue à me battre. Oh là là, ah oui, mais c'est les portes de regard ici. Là, on est en train de les croquer. Ça fuit, voilà. Là, avec mon général, je veux aller les attraper, eux. Oh. Voilà, tout a fui. Parfait. Va me capturer ça. Là, c'est la garnison. Si j'arrive à tout manger, ça fait des intifadas. Écoute, ça marche, je vais lancer des cailloux. Hein. Tu t'es déjà pris un caillou dans la tronche? Là, 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 il va réussir à se barrer. Ma cavalerie est épuisée. Ma cavalerie arrive pas à rejoindre. Attends. Oh non. Allez. 19. Il va se barrer sous mon nez. Et fuck. Attendez, c'est pas fini ici. Oh, d'accord. Allez, là, tu vas me le capturer. Bon, écoutez, on a fait le ménage. Quoi qu'il arrive, j'avais des armes de siège. J'ai pris 22% de pertes, c'est plus qu'acceptable. Et je pense qu'on va prendre... On va reprendre ce que c'était ma ville à la base, hein. Hérodote, là. C'était ma ville, hein. C'était à moi. Allez, on mange tout ça. En plus, on fait des prisonniers. Allez. Arrête de faire du friendly fire, toi. Bougre d'âne. Voilà. Pas mal. Là, je vais tuer. Je vais pas rançonner parce que je veux pas qu'il retourne dans la forteresse.
Donc je vais dégager tout ça. Ça leur servira d'exemple en même temps. Hey, on est peut-être à 5 villes là. On est peut-être à 5 villes, hein. C'est pas... Je vous avais dit que c'était pas fini. Après la branlée, qui restait encore pas mal de temps. On exécute. La ville est vide. Oh, l'armée qui arrive en renfort. Allez, on prend la ville sous son nez. 1000 de thunes, je suis de retour à la maison. I'm back. Alors, Pépé, tu vas devoir recommencer, hein, le restart, hein. Restart de mes couilles. Pas mal. Eh, hey, les Dunengdis contrôlent maintenant 5 régions. La ligne de Wolf, le grand roi, du, nous a bien gouverné. Le Jung, Birig, Taraglan nous a maintenant rejoint. Et a amené son plein support. Et oh là 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 là, il commande un excellent bataillon de Wolfgard, qui sont en effet des troupes tardives. C'est un Tukino de Wolfgard. You have fine armors. One of the faction of the most powerful. Les Brennin, ok. Donc là, ce qu'on appelle la Brennin Guard. Donc allié, ok. Donc là, normalement, j'ai récupéré, regardez. Taraglan, le saignant, le sanglant, ça fait penser à un steak. Et il est avec des Wolfgard Axeman. Excellente unité. Ça, ça fait plaisir. Il va immédiatement partir vers le front. Oh là là, ici, malheureusement, je vais pas réussir à rejoindre. Il va falloir que je défende maintenant. Il y a une très grosse armée qui arrive. Mais j'ai des phalanges. J'aurai pas mes renforts, malheureusement. Je vais amener Taraglan. En renfort, il faudra 2 tours pour qu'il arrive. Et on est remonté à 1000 d'income. Je sais pas comment ça va tenir. Mais si ça tient pas, tant pis. Mais j'ai repris Eoroth. Je vais essayer de rusher une garnison dès que je peux. J'espère qu'ici il va m'attaquer. Je vais continuer à recompléter les pertes. Voilà. Dans les phalanges, on recomplète. Et j'espère que là, il va m'attaquer, parce qu'il a une belle armée ici. Ça serait bien qu'il vienne me chercher la bagarre. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir, mais on est à 5, hein, province. Et on est tour 46, hein. On a encore du temps. On a encore du temps pour essayer de pousser, peut-être, aller prendre Baradvin, Bay, voire peut-être attaquer les Rohirrim sur l'Isenrun et préparer la jonction avec l'Isengard. On est pas mal. Malgré les échecs, les déboires et les désastres, on est toujours dans la game. Hâte de continuer. Hâte de continuer, c'est fun. Toggle faux, ah, vous voulez que je fasse un toggle faux. On a vu, il me semble, que les... que l'Isengard... Que Osgiliath était tombé et que le Veil était au fond du trou. Le Veil... Ah ouais, le Veil, c'est compliqué. Hein. Ross Gobel est sous siège. Il a encore sa capitale. Gundabad est en guerre contre les monts brumeux. Gundabad est en guerre contre les monts brumeux. Là, les deux vont se taper dessus. Ça fait vraiment les affaires du bien. Les elfes et les nains, ça tient la ligne. C'est compliqué pour le Gondor. Mais je pense que le Gondor va reprendre Osgiliath. Il a des sacrées armées. Kaer Andros tient toujours. Le Rohan est... Oh ouais, non mais, on en parle du Rohan, là? Vous avez déjà vu le Rohan aller prendre... J'ai déjà vu le Rohan passer l'Anduin, mais pas s'installer en mode YOLO, c'est chez moi, au sud de Mirkwood. Angmar est gros. Angmar est un très très beau bébé, et... Alors, Fornost et Annuminas tiennent toujours, même si Annuminas est sous siège. Mais les nains, je pense, vont monter en puissance. Ils ont refusé les anneaux. Donc c'est qu'une question de temps avant qu'ils contre-attaquent et qu'ils peut-être reprennent Fuirost et Barqueta. Et... Ouh, oh, Gandalf!
Gandalf à Amon Sul. Gandalf, Giga Chad. Hein. Et sinon, dans le sud, Dol Amroth, jusqu'à Amon Ethil. Ouais, c'est encore serré. Hein. C'est serré et équilibré. L'Isengard fait des troupes, normalement non. Hein. L'Isengard est neutre et passif. C'est mon allié. Mais ouais, c'est... Il est plutôt tranquille. Écoutez, c'est serré. Hein. C'est compliqué, mais pour l'instant, j'arrive à... On arrive à pousser. Comme on peut. Mais on arrive. Bon, sur ce, je m'arrête là. Demain, je verrai ce que je fais, si je fais une minute géopolitique ou pas. Quoi qu'il arrive, je ferai... Demain, je continuerai le run avec le Gondor. Demain soir, je continuerai le run avec le Gondor. Vendredi, vu que j'ai fini Gladius, je sais pas trop ce que je ferai, mais en soirée, on continuera avec 4 à 22h Commandops. Voilà. Bon, passe une bonne soirée, passe une bonne semaine, et peut-être à dans les prochains jours. Ciao, ciao, salut tout le monde.